On va passer au troisième et dernier thème parce que cette heure et demie file quand même super vite. Vous l'aurez compris, le financement c'est bien, rémunérer son contenu c'est bien, mais enfin pour faire ça il faut quand même avoir un minimum de vues, il faut quand même avoir un public. Parce que l'un est lié à l'autre. Alors on parle quand même de milieux où on parlait du, on a beaucoup parlé de YouTube, mais d'autres comme Ben utilise plutôt Dailymotion. Peu importe, l'un comme l'autre, c'est quand même des. Sur Dailymotion, il doit y avoir à peu près, si je ne me trompe pas, 2 milliards de vidéos vues par mois. Sur YouTube, c'est juste 30 fois plus. Comment on arrive à être vu au milieu de tout ça? Comment on arrive un peu à faire son bise et son buzz? Donc ma première question est assez simple. Comment vous êtes allé chercher vos premiers contacts? Comment vous avez démarré le fait d'être vu? Est-ce que vous êtes plutôt passé par les réseaux sociaux? Alors en ce qui nous concerne, on est passé et on passe encore aujourd'hui plus par Dailymotion que par YouTube pour deux raisons. D'une, avant qu'il y ait vraiment une réelle explosion de YouTube, de vraie création sur YouTube, YouTube c'était plus une usine à gaz. On a plus de chances de poster une vidéo sur YouTube et d'avoir en lien associé la vidéo d'un mec qui se prend un ballon dans les parties, excusez-moi, plutôt qu'à d'avoir une quelconque vidéo qui avait un vrai lien avec ce qu'on avait publié. Dailymotion avait, et encore pour l'instant, je croise les doigts, des vrais projets, des vrais, comment dire, des bourses, des entrées, une manière de mettre en avant les vraies créations. Si on fait autre chose que juste mettre sur internet la vidéo d'un mec qu'on a croisé dans la rue, si on veut vraiment raconter une histoire, raconter quelque chose et faire quelque chose d'intéressant, Dailymotion a encore aujourd'hui, et avait quand on a commencé il y a 4 ans, une réelle envie, une réelle volonté de mettre ça en avant par rapport aux publications. Après, les réseaux sociaux sont, à l'heure actuelle, sont indispensables, en ce qui nous concerne en tout cas, pour la communication, pour la mise en avant de tout ce qu'on fait, que ce soit les photos de tournage, que ce soit les épisodes en eux-mêmes, que ce soit les partages avec les amis. Il y a vraiment, les réseaux sociaux ont une place très 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 importante. Après, pour la monétisation, je ne peux pas vraiment en parler, vu qu'on n'a pas suffisamment vu sur nos épisodes, que ce soit sur Dailymotion ou YouTube, pour avoir réellement un intérêt par rapport à la monétisation. Je ne peux pas vraiment avancer sur ce sujet. Oui, mais dans l'absolu, peu importe, ce qui va surtout vous intéresser dans ce troisième thème, c'est de savoir, si tu veux, un peu comment vous allez vers votre public, comment tu commences à aller dire aux gens, regardez ce que je fais, enfin, tout simplement, tu vois. Vraiment commencé avec le bouche à oreille, on n'avait pas vraiment de connaissances personnelles de gens d'autres web-séries avant vraiment de nous y mettre. On a fait nos rencontres et nos contacts par le biais de la série et par le biais des autres web-séries qu'on a rencontrées après. Donc on a vraiment commencé tout simplement avec nos potes. C'est la première fois qu'on a rencontré quelqu'un de l'extérieur qu'on ne connaissait pas, qui n'était pas l'ami d'un ami, qui nous disait « j'ai vu ce que vous faites et j'aime bien ». Je crois que j'ai dû mettre 3 quarts d'heure à m'en remettre à imaginer que quelqu'un que je ne connaissais pas personnellement voyait ce qu'on faisait. Donc on a vraiment commencé avec le bouche à oreille et après des potes, on en parlait à des potes. Donc là pour le coup, les réseaux sociaux ont vraiment une place énorme dans le développement de notre communication. Mais on a vraiment juste commencé, on envoie ça, et si ça fait marrer les copains, tant mieux, mais sinon tant pis. En ce qui concerne Raconte-moi un manga, nous en fait c'était les forums. Hein. Je suis pas un pro des réseaux sociaux, d'ailleurs j'ai lancé une page Facebook après, très très tard, et pour la communication, mais c'est vrai que j'y pensais même pas au départ. Donc on est parti sur les forums pour essayer de se faire connaître un petit peu. Après, concernant les conventions, ça s'est joué au culot. C'est-à-dire que moi j'ai envoyé les liens des vidéos à Japan Expo, j'ai dit Japan Expo, regarde, voilà ce qu'on fait, ça peut-être t'intéresser. Et puis Japan Expo, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit oui, ça nous intéresse. Et ils nous ont invités. Si bien que ça fait la 4e année qu'on est présent à Japan Expo. En ce qui concerne les relations qu'on peut avoir avec tout le monde, là encore, quand on est isolé du monde, comme on peut l'être dans les Ardennes, c'est ces conventions-là qui nous permettent de faire des connaissances. On a déjà bougé
Belgique, bon ça c'est pas super loin, on s'est fait la Suisse, on a été dans le sud, on a été à Toulouse, on a été à Marseille, tout ça on le doit aussi grâce à nos vidéos, et c'est là-bas en fait qu'on rencontre les professionnels, mais aussi les personnes du... Je vais pas dire du milieu. Le public aussi, oui. C'est vrai que... Le public surtout, non ? Comment ? Le public surtout, oui, non, c'est sûr. C'est vrai que pour nous, les web-séries, un grand, grand moyen de promotion, mine de rien, c'est les conventions. Je sais pas s'il y en a qui m'ont vu les alpaguer avec des flyers de nos web-séries, mais voilà, on a la chance qu'on nous ouvre la porte, les conventions nous ouvrent la porte et nous permettent de... Pour moi, c'est même la meilleure source de promotion, je sais pas pour vous. Moi, ce qui m'a étonné, c'est un jour, Japan Expo, on fait notre première Japan Expo Sud. On n'était pas hyper connu. Et puis, je vois un gars dans le fond qui arrive, qui vient me voir et il fait... Je suis votre fan numéro 1. Hein. Je lui dis, c'est quoi ton épisode préféré? Et il m'a dit, texto, il m'a dit, comment faire pour choisir entre ses enfants? Quel est l'enfant que tu préfères? J'ai dit, mais putain, la vache. C'est vrai que de se dire que tu touches quelqu'un que tu n'as jamais vu, c'est impressionnant. Je m'en rends pas forcément compte tout le temps, c'est vrai. Et toi alors, Mathieu, les moyens de promotion, et puis en même temps, les conventions, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, c'est un peu particulier, moi, au début, donc pareil, je suis parti sur les forums vraiment pour démocratiser l'émission, pour deux raisons. Déjà, pour la démocratiser, faut pas se mentir, et la deuxième, c'est aussi pour avoir un feedback du public, parce qu'une émission qui commence, c'est une émission imparfaite, et ça permet d'avoir pas mal de gens qui nous disent ce qui va pas, en dehors des commentaires vraiment très insultants, il y a des gens qui nous disent clairement ce qui va pas, et c'est vachement important, ça nous permet d'apprendre. Après, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ça permet effectivement de se démocratiser. Pas Google+, qu'ils s'arrêtent avec ça. Mais bref, Google+, oui, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un autre débat. Non, mais ils nous embêtent avec Google+. Et les conventions, qu'est-ce que ça m'apporte? Je ne sais pas si ça m'apporte vraiment un nouveau public, la convention. Je ne crois pas. Je ne crois pas que les YouTubeurs, ça leur apporte un nouveau public. Les web-séries, c'est clair et net. Parce que les web-séries aussi, il peut avoir des projections, il peut avoir tout ça qui apporte vraiment un nouveau regard, un nouveau public. Nous, on vient généralement, quand on nous invite, c'est direct pour de la dédicace. Donc généralement, si les gens sont assez intelligents, ils font pas la queue pendant 3 heures alors qu'ils nous connaissent pas. Donc ça nous apporte si quelque chose, c'est de rencontrer les gens plutôt que d'avoir des pseudos. On voit les têtes, donc on peut découvrir enfin le public qui nous regarde depuis longtemps. Et moi, je continue d'aller en convention juste pour ça, pour parler, discuter avec les gens, leur faire plaisir aussi un côté en prenant des photos, des petits autographes. Et voilà. Et j'ai encore dit voilà, je m'énerve. Le rapport que vous avez avec le public, je suppose que, parce qu'on l'a abordé plusieurs fois, mais justement, terminons un petit peu là-dessus, parce que de toute manière, on va bientôt arriver au terme. Le rapport que vous avez tous avec le public, il y a des retours extrêmement positifs, il y a aussi les trolls auxquels on a fait allusion plusieurs fois, même si je ne suis pas en fan de ce terme. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que c'est un moteur? Est-ce que vous vous sentez déstabilisé quand il y a un mec qui vient vous dire ce que tu fais c'est pourri? Est-ce que vous continuez à avancer? On peut pas dire que ça touche pas. Enfin moi de mon côté, quand on dit qu'on n'aime pas, que c'est nul, etc. Ça va me blesser un petit peu. Mais voilà, c'est vrai qu'à force de s'en prendre de temps en temps dans la tronche, on commence à être un petit peu blindé. Cependant, l'effet inverse, quand quelqu'un rigole, au moment où tu avais envie qu'il rigole, quand quelqu'un fait « Attends, quand on arrive à provoquer l'émotion chez la personne, c'est un énorme kiff. Hein. Je me rappelle de notre diffusion de One Piece qui avait eu lieu il y a 2 ans. Et on avait énormément travaillé sur un raconte-moi un manga spécial One Piece. C'était de la joie. C'est tout simplement de la joie de voir qu'il y a des gens qui aiment ce qu'on fait. C'est vrai. Il n'y en a peut-être pas des masses, mais il y en a. Et on les remercie infiniment. Et moi, à chaque fois, je remercie toujours les personnes qui prennent le temps de venir nous voir, les personnes qui nous suivent. Hein, merci. En ce qui nous concerne, je pense que c'est un peu cas pour tout le monde, c'est un mélange, c'est à la fois grisant et terrifiant. C'est grisant de se rendre compte que les gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a certainement jamais vu, voilà, ont pu apprécier, ont pu être touchés par ce qu'on a écrit, ce qu'on a mis en scène, voilà, pas toutes ces petites choses qui, pendant un
temps était un post-it posé sur un bureau et qui... Voilà, ces gens, ça les a touchés. Donc, il y a ce côté grisant et d'un autre côté, il y a un aspect absolument terrifiant parce qu'on n'a jamais vraiment la certitude que ce qu'on a écrit ou ce qu'on a fait, ce qu'on va mettre à l'écran, ce qu'on va projeter, va vraiment toucher. Au niveau de la comédie, c'est horrible quand on écrit une blague, mais elle passe pas. En général, moi, je suis toujours roulé en boule au fin fond de la salle de projection quand on en fait une et j'ai juste la tête qui dépasse en disant « Alors, elle passe la blague, elle passe. » Et quand les gens rient, il y a à la fois la satisfaction de se dire « C'est bon, c'est passé » et le soulagement de dire « Ok, c'est bon, ça marche. » Bon, blague suivante. Et donc, c'est un mélange d'excitation de vous rencontrer les gens, voilà, de serrer la main à des gens qu'on n'a jamais vus et qui me disent « On a été touchés. » Et le côté terrifié de se dire « Bon, maintenant, faut pas que tu te plantes. » Voilà, c'est... Mais l'un comme l'autre, c'est tellement motivant, bah, c'est génial. Mathieu, ton avis là-dessus ? Très très rapidement, sur les mauvaises critiques, comme je disais un peu tout à l'heure, mais c'est pour détailler un peu plus, les mauvaises critiques... Oui, salut. Les mauvaises critiques, il y a vraiment celles qui sont acerbes, méchantes, piquantes et trempées dans l'acide dans le but de faire mal. Au début, ça fait mal. Au bout d'un moment, s'y habitue, on les prend avec sourire. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus construits et c'est celles-ci qui sont intéressantes. Il y en a qui nous expliquent par A plus B pourquoi ce qu'on fait est mauvais. Après, à terme, au final, tu pourras pas plaire à tout le monde, c'est qu'il y aura forcément un problème quelque part. Et quand on t'explique que ce que tu fais c'est nul, mais que la vision qu'il te donne, qui serait bien, n'est pas la tienne, ben il aimera jamais l'émission et au revoir. Et voilà. Et un petit dernier, voilà. Alors très rapidement les questions publiques, parce que Mathieu a une dédicace très rapidement. Alors est-ce qu'il y a des questions sur la communication ? Sur la communication, pas de questions. Moi, j'en vois pas là. Non. Dernière chance. À juger. On a la miss. Lorraine va te rapporter. Et après cette question, on fera une petite conclusion. On aura un petit message important à vous dire en tout de suite. Je l'ai dit avec le cœur. En toute fin de conférence. Donc restez là, ta question, mademoiselle. C'est par rapport à la communication. Quand vous rencontrez des fans qui ont mon âge, qui sont mineurs, ça craint un peu. Enfin, comment vous le ressentez de savoir que des gens très jeunes rigolent à vos blagues, surtout à toi Mathieu, un petit peu osé. Ça te fait quoi? J'ai eu des moments très très difficiles avec ma morale. Encore, toi tu es mineur, mais j'ai connu encore plus mineurs de mineurs qui venaient signer des dédicaces. Le plus jeune, je pense qu'il devait avoir 6 ans. Et là, j'ai vraiment un problème avec moi-même, mais au final, je me dis que c'est pas de mon ressort, c'est pas moi qui l'oblige à regarder l'émission. Et d'ailleurs, il ne doit rien comprendre à ce qui se passe. Et non, des fois, oui, je me pose vraiment... On avait eu des débats là-dessus sur le fait de ou pas dire qu'une émission est interdite au moins de 16, interdite au moins de 18. Certains pensent que c'est la responsabilité d'autrui, des parents, entre autres. Et personnellement, oui, je pense que c'est la responsabilité de tout le monde. Après, moi, ça ne me gênerait pas de prévenir qu'un épisode est plus violent qu'un autre. Après, j'évite, autant que faire se peut, d'utiliser des mots vulgaires. Il y en a quelques fois, parce que je ne peux pas se leurrer, des fois, si c'est bien amené, c'est marrant. Mais j'essaye toujours avec SLG de dire des dégueulasseries avec un langage soutenu, je trouve ça beaucoup plus drôle. Et oui, après pour le public mineur, c'est une question des fois que je me pose, et lâchement je me dis que c'est pas de ma faute. Messieurs, sur le public mineur, quelque chose à ajouter ? En général, on est surpris parce que bon, on a, pour la plupart de l'équipe, on a entre 25 et 30 ans, donc ça me fait toujours bizarre de se rendre compte que des gens beaucoup plus jeunes que nous peuvent rire à nos blagues, parce que bon, faut pas se leurrer, la moitié des blagues qu'on fait, c'est plus des blagues qui ont référence à un pote qui avait dit ça, ou ce qu'on avait pu lire à notre âge. Donc non, c'est flatteur dans le sens, on se dit que... Nos blagues sont plus universelles qu'on l'imagine. On imagine toujours que d'une certaine manière, il n'y a que des gens qui ont vécu les mêmes, qui ont vu les mêmes films, ont suivi les mêmes séries, qui peuvent comprendre ce dont on parle, et se rendre compte que non, bah, ça nous rassure, on se dit bon bah finalement on parle pas qu'à notre génération, donc il y a un côté flatteur. Après oui, il y a mineur et mineur. Quelqu'un qui a 15 ans et qui regarde, qui apprécie ce qu'on fait, bah, c'est tout aussi appréciable que quelqu'un qui a 18 ans. On va conclure, on était bien là avec vous.
Donc, je vous demande de faire beaucoup de bruit pour Mathieu Sommet. Non, plus que ça. Et ça fait une heure et demie qu'avec la scène musique et de l'autre côté, ils nous font chier à faire du bruit. Montrez-leur vous aussi, vous savez en faire. Voilà. Restez pour la conclusion, ils ont un message très important pour vous. C'est comme ça, hein, le milieu d'Internet. Bon, alors, pour conclure, vous l'aurez compris, la web création, c'est un milieu qui est vraiment ouvert. C'est quelque chose auquel tout le monde peut se mettre. Par contre, pour s'y mettre, il faut déjà avoir des idées, avoir l'envie. C'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, un petit peu de moyens de temps en temps. Mais il reste... C'est aussi beaucoup. Enfin, je pense que je ne m'engage pas en disant que c'est beaucoup de bonheur. Il y a des gens comme Ben ici présent que je croise souvent sur les conventions. Et en fait, c'est un mec qui a plein de talent, mais qui ne doit pas le savoir parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de croiser un môme à Euro Disney. Donc, si vous aussi vous voulez vivre ça, lancez-vous, n'hésitez pas. J'espère qu'on vous aura donné des pistes. J'espère aussi que ça aura donné à certains envie de se lancer. J'espère que ça aura apporté quelques réponses à ce partage d'expérience à des personnes dans le public que je sais déjà acteurs et réalisateurs dans le milieu. Donc voilà, merci à tous d'être venus. Et le dernier message, le message que je voulais vous passer avant que vous partiez tous, c'est que Loud l'a un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a un truc qui est vachement important pour nous, et quand je dis nous, je ne parle pas de la web création, de moi avec le réseau social. Quand je parle de nous, je parle de nous tous dans la geekosphère, dans le monde geek. Il y a un truc qui est vachement important, c'est No Life. Parce que No Life, c'est une vitrine pour nous. C'est ce qui vous a amené vers la web série par le biais de Noob, par le biais de Flanders, avec ceux qui connaissent François d'Alex. C'est aussi l'émission qui vous prend pas pour des cons parce qu'à un moment donné c'est quand même là que vous trouvez les meilleures critiques de jeux vidéo qui sont super bien détaillées. C'est aussi à cet endroit là que vous trouvez des émissions un petit peu décalées comme c'est le cas de Rêves écrits pour ceux qui s'intéressent à la littérature. Bon bref, et tout ça est en danger en fait, tout ça risque de disparaître. Donc on n'a pas forcément tous les moyens de s'abonner, même si honnêtement ça vaut le coup. Sur No Life, il faut arrêter les préjugés, il n'y a pas que de la J-pop, il y a énormément d'émissions importantes. Donc parlez-en autour de vous, faites du bruit, il faut vraiment, on a l'été pour ça, il faut vraiment utiliser nos réseaux, c'est le message que je voudrais vous faire passer pour finir, il faut sauver No Life. Voilà, en tout cas merci à tous d'être venus. Refaites du bruit pour Romain. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez d'autres questions, nous on a un stand, on tourne dans le quartier web, donc faut pas hésiter à venir nous voir. Et surtout, allez voir un petit peu tout ce que font nos